date 7 juin, qui c'est journée latino-américaine la presse, c'est une date qui est très significative pour les journalistes des pays latino et sud-américains. C'est une date qui veut dire un pile bagaille pour nous-mêmes en Haïti dans la corporation journaliste. Là. Pour nous-mêmes, dans le niveau regroupement journalistes et reporters locaux, c'est une victoire sur la liberté de la parole, c'est une victoire sur la liberté de la presse, une presse libre et indépendante. C'est une victoire tout pour les travailleurs de la presse qui vivent dans une situation lamentable, qui travaillent à bout de son dans les médias. Et c'est ça que fait dans journée ça, 7 juin, jeudi, le regroupement des journalistes et reporters locaux nous dit faut que nous fassions pas nous marquer date ça et marquer date la Kijan, c'est nous continuer avec bataille n'a fait bataille qui pour permettre journalistes de jouer une meilleure condition de travail, bataille pour permettre que les patrons des médias yo prennent conscience des situations chaque grain de monde qui travaille en dedans médias, chaque grain de monde qui participer souvle de près ou de loin n'en permettre que médias fonctionner j'ai dû fonctionner. Matin, je pense qu'il faut que les patrons médias pensent avec les gens qui ont écrit dans la salle nouvelle. Il faut que vous pensiez avec les caméramans, avec les réalisateurs, les monteurs, avec les machinistes, avec les chauffeurs dans les médias, avec même la sécurité. Il faut que vous pensiez avec les gens qui jouent le chef d'édition, les gens qui font le travail de coordination dans la salle nouvelle, les gens qui présentent et les gens qui sont là pour établir contact si vous voulez, avec le réseau. Correspondant en province, technicien, moun qui a installé antenne, moun qui là pour mettre en direct, qui a passé fil, etc. Je pense que c'est tout bras ça dans l'ensemble qui permet que les médias fonctionnent, ni radio ni télévision. Nous voulons dans la date 7 juin demander aux patrons médias pour réviser pitance ou bien misérable monnaie, payer sous les journalistes qui travaillent avec eux. C'est vrai, nous connaissons la presse en Haïti aujourd'hui. A fonctionné dans une situation qui est difficile parce que les médias vivent des publicités et je dis a pas vraiment gagné pile publicité quand je média parce que gagné toute qualité problème qui frappe le pays a pendant dernière année ça. Mais nous pensons c'est très important pour patron au-delà de toute considération que tu es capable de faire penser avec en meilleure condition de travail pour journalistes qui travaillent ensemble avec eux parce que sans journalistes, médias, pas existé et yo pas vle dire grand chose. Nous là jeudi, c'est dans le cadre pour nous capables de remercier la Banque mondiale des ministères de l'Éducation nationale qui t'a soutenu nous pendant plus de 10 ans dans le programme ça qui est l'éducation pour tous. Alors, nous sommes capables de dire plus particulièrement ou du moins un véritable bénéficiaire c'était Timounio ou du moins les parents de Cité Soleil. Timoun de Minio dans Cité Soleil, c'est à eux-mêmes, à l'endroit de eux-mêmes que le programme ça lui-même lui est arrivé. Également, arrivé joindre l'école yo, parce que ça permet amélioration, en pile amélioration qui est faite dans l'école. Donc c'est l'objectif ça, nous réunir pour que nous capables remercier la Banque mondiale, la BID, et puis ensuite le ministère de l'Éducation nationale qui était nous en pile, encadrement dans ce sens ça, nous réunir pour que nous-mêmes nous capables honorer. Nous pas souhaité que le programme ça son programme qui prend fin parce que Cité Soleil c'est une zone enfin presque parents yo presque vulnérable de tout. Donc si nous t'a dit après 10 ans programme n'a campé, c'est dit après 10 ans parents yo gen pile parents qui pas capable continuer voyer ti moun yo l'école. Le programme là c'est EPT. Ça c'est sigle, par définition c'est éducation pour tous. Donc il y a près de 54 l'école qui participent dans le programme. Donc on convertit 64 à l'école
qui gagne un effectif de 45 timons. Dans un premier temps, c'était deux classes. Et puis, au fur et à mesure, ça marchait, il arrivait jusqu'à sixième année. Et je ne dis à une dernière classe là, qui c'est sixième année, parce que reste classe. Ils n'ont pas continué de subventionner encore. Donc, ça a un bon nombre d'effectifs. Alors qu'avec 54 écoles, ça n'a pas 45 timons. C'est à féliciter. C'est à féliciter tant sur le plan encadrement que yoban nous que sur le plan économique. Il est vrai que ça yoban nous n'est pas totalement qu'à répondre parce que $90 américains pour bailler 3 livres là dans les après ça pour doter l'école là de tout matériel didactique, pédagogique. Non, pas par moi, c'est pour toute l'année par élève. Et puis c'est là-dedans que vous avez un professeur qualifié pour qu'on soit capable à gérer. Donc c'est un peu insuffisant. Mais cependant, c'est une amélioration quand même, parce qu'au préalable, pas de gain. Programme, non. Ça m'a dit des listes, waouh! Parce que le programme était vraiment un bénéfice pour nous, les parents. Il était supporté nous en pile. C'est comme si le programme c'était un vrai papa qui était soucieux des petites pour nous. Mais je ne veux pas dire comment vous voyez le programme ça a compris. C'est toute une douleur pour nous. Le fait que, et comme si c'est un monde qui est cher à nous-mêmes, qui mourit, nous ne pouvons pas même enterrer le même. Et c'est une grosse souffrance. Le programme ça quitter pour nous s'il prend fin. Et comme si nous t'avions pour le programme, non, même si nous avons mouru pour le ressusciter. Parce que la fin n'est pas bon pour nous, c'est la continuité qui est bon pour nous en tant que parents. Ce programme qui a marché en forme, et je remercie PT parce que depuis 10 ans, il est là avec nous, il a aidé nous. Je remercie Linda pour l'accompagner nous jusqu'à la 9e année. Depuis la création de l'INFP, la formation professionnelle censée que fait bec à tête. Avant la création de l'INFP, nous étions capables de dire que c'était 9 écoles qui ont fonctionné à plein rendement dans le pays, qui ont fonctionné à plein, là on dit à plein rendement full, telles que l'école professionnelle J.B. Damier, qui ont gagné normalement des promotions que la baille, les timons ont fini diplômés, côté que. Normalement, il y a le travail dans n'importe qui côté. Si les gens qui sont salésiens, si les gens qui sont sans pilote, si les gens qui sont sans apprentissage. Et pour le moment présent, nous sommes capables de dire que c'est la médiocrité totale capitale. Et le SNFP parlait de système qui n'a pas jamais gagné un plan de carrière. C'est la raison ça que nous toujours, qui permet le système de craser, je ne dis pas, c'est parce que nous toujours recevoir des gens parachutés. Des mouns parachutés, n'a recevoir des mouns importés depuis le système n'a créé. Pas de carrière en dans le système n'a. Et mouns qui entrent dans le système n'a, yo pas connu système n'a réellement qui vient permettre, journée jodia, ou à l'école yo, devenir dans ça que yo devenu, journée jodia. Vu façon qui yo traité, formation professionnelle et secteur France professionnelle en parents pauvres, l'en nous considérer en pile problème qu'a brassé bille secteur ça, hein? Nous autres, en tant que responsable SES-NFP, vous décidez nous pour nous faire une conférence pour la presse. Là, nous regardons par exemple, problème est en pile, mais nous avons énuméré quelques là-dedans. Par exemple, problème assurance là. Et problème carte assurance, et parce que nous avons en pile, nous avons employé par une carte assurance là. Nous avons un problème d'où, côté en pile médicaments, et assurance là pas couvri yo et même lunettes par exemple moun ka porter lunettes et assurance pas couvri genre de choses ça yo. Nous avons un problème encore au niveau de crédit PAM côté taux d'intérêt trop élevé pour employé yo et yo prêté 6 mois pour rembourser dans période de 18 mois dans SESNFP nous mandé des préférences pour responsable capable prêter employé yo 12 mois en lieu et place 6 mois. Donc, nous parlons tout des examens officiels
sur la formation professionnelle ensemble avec loi portant sur la réforme de la formation professionnelle que collègue Léveillé qui a parlé sur ça. Et nous avons un problème grave là. Problème ça qui a passé dans le moment où on a parlé là, qui opposé sans pilote ensemble avec Sonapi. Côté responsable Sonapi, voulait faire d'appuyer sous terrain sans pilote. Côté pour grande partie dans terrain ça, il a besoin d'entrer sous domaine pa yo. Nous dit responsable Sonapi pour ressaisir parce que sans pilote non seulement c'est acquis par moun ki pi pov yo, mais son l'école l'état qui le lieu. Et n'a dit que au contraire terrain sans pilote là trop petit. Là nous considérer comme pour sans pilote là héberger non seulement sans pilote mais également centre d'apprentissage de Saint-Martin. Dans ce sens, n'a dit responsable Sonapi pour capable ressaisir pour quitter un terrain sans pilote là janvier. Il y a un apprenant qui gagne 5 6 7 jusqu'à 10 ans qui sont dans examen qui pas ca joindre diplôme. Nous t'aimer demander quoi problème ça sorti parce que un élève sont dans examen baccalauréat première deuxième partie 2 3 jours après il gagne diplôme ni comment faire apprenant par nous 10 ans 5 ans, 6 ans, ou pas qu'à un diplôme. Deuxième bagaille, on a demandé, c'est ouverti pour marché travail là. Yon moun qui finit à prendre un métier, c'est comme si yon la gueule dans un coin. Yon moun finit à prendre un métier, qui décision, qui ça qui capable prendre pour les apprenants finir à prendre un métier, pour le compte qui côté le cas orienté. Dans qui côté, li ka al travail, li vraiment, vraiment bizarre pour yon moun finit à prendre un bagaille, et pour tenir la foule à kaye, ou bien la jouer de rino, li pas possible. Troisième bagaille n'a demandé c'est concernant suite n'a fait à président politiser INFP c'est pas ça qui solution hein. C'est changement n'a demandé c'est dézombification n'a demandé nous connaît les politiques entre un côté qui dégalifé qui politique m'a voté telle loi mais faut me voter proche moins politique c'est craser l'écraser toute bagaille surtout politique nous gain en Haïti rien pour moi tout pour moi rien pour les autres. Politique pas jamais voté changement vrai. Politique qui politique n'a parlé. Est-ce que politique l'autre pays ou bien politique ça nous gagne en Haïti? Nous pas de politique en Haïti, son bon champion nous gagne en Haïti. N'a demandé côté ça pour aller, INFP pas besoin politicien. INFP besoin des amplifications. Depuis pouvoir inculpé ça a accaparé l'état, qui ça nous constaté? La vie chère a monté bien haut. À prix gaz là qui augmenté l'année dernière parents yo ti moun yo étudiants yo gen difficulté pour y aller l'école. Et année ça encore dans moment ça bric a couru qui dit prix gaz là pral augmenter fait la vie à vine. Pidi, pired, pour timoun yo, pour étudiant yo, pour élève yo. Nous, dans l'organisation politique Famille Lavalas, nous dit, nous solidaires à toute victime système ça. Quitte c'est étudiant, quitte c'est élève, quitte c'est ouvrier, quitte c'est ouvrière, quitte c'est chômeur. Qui chez chômeuse. Ligne organisation nous, c'est solidarité à toute sa cap subi mauvais traitement dans le système exclusion ça. Peut-être ça, nous dit, faut que nous lutter pour un autre l'État, pour un autre Haïti, un pays solidaire, un pays côté, la peine en vente, la peine en tête, a blahi pour toute petite Haïti. Yon pays côté n'a planté belle plante la dignité pour jeunes yo pour timoun yo pour grandette yo et pour génération kap vini yo. Yon pays côté c'est pas corruption côté c'est pas chômage c'est pas l'incompétence kap taye banda. Nous dans organisation politique Famille Lavalas nous constatons ouvriers yo ouvriers yo yo dans la rue y a mandé bon gens accompagnement y a mandé salaire minimum
pour yo capable vivre tant que moun. Qui ça nous constater encore? Nous constater élèves yo, professeurs yo, yo dans la ria. Y a mandé bon gens conditions pour yo travail. Professeurs yo a mandé un bon accompagnement moi. Yo travail yo pour que jambe paye yo. Qui ça nous dit dans l'organisation politique famille Lavalas? Nous dit nous t'es toujours solidaire. Nous solidaires, nous solidaires avec toute victime système nan. C'est peut-être ça même. Mais non, avec majorité, nous camper sous terrain mobilisation pour nous renverser système ça qui là. Faut que nous gagnons l'autre Haïti. Nous devons gagner l'autre Haïti côté la vie possible pour tout le monde. Tout autant, nous pouvons jouer l'autre Haïti ça ne pas jamais suspendre lutter. Et n'a pas rappelé, pep kap goumen, pep kap lutte, toujours gagne bataille. Et sous terrain mobilisation, n'a pas goumen ap majorité pour changer la situation sa, pour la vie capable de changer. Famille Lavalas, c'est une organisation qui grandette, qui grand monde et qui démocratique. Officiellement, nous pas fait partie de dialogue qui gagne dans le secteur démocratique. Là. Nous respectons la position. Tout le monde, comme nous pas membre, comme nous pas partie prenante de négociation, nous ne pas prend position sous négociation qu'a fait dans le secteur démocratique là. Yon sel nous faible, ensemble nous fort, ensemble nous c'est Lavalas. Avec nous et pour nous capables de jouer le résultat, n'a pas cherché à parce que nous dit mais en pile, chai pas nous, nous pas fait cavalier seul, c'est une équipe et nous avons un comité et moi-même et nous lancé Radio Téléthon. Nous à trois jours de Radio Téléthon, ça veut dire c'est pour nous-mêmes, c'est une grande première dans la communauté. Hein. Pourquoi pas dans l'église là? Et c'est une façon de mettre tout le monde ensemble et nous regarder le même projet, nous regarder comment pour nous faire le projet exister. Nous souhaitons vivement que tout le monde tende nous, comprenne nous et réponde présent dans nous ça avec offrande, avec contribution, avec gestion pour nous dire, pour nous montrer maman. Maman Notre-Dame, maman bon Dieu, maman peuple haïtien, que nous ne pouvons jamais bouquer, suspendre, dire merci. Nous ne pouvons pas évaluer concrètement pour cet arrêt-là parce que le travail là, il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie gros œuvre là et puis il y a une finition. Dans gros œuvre là, nous sommes très avancés, nous sommes capables de dire nous à 70%. Dans la grosse œuvre là, pour nous dire, nous croyons nous avancer vraiment dans la grosse œuvre là. Mais pour finition sur notre gros projet, et pour toute mobilisation, c'est en vue de finir la grosse œuvre là et terminer avec finition. Téléthon en lui-même, nous mettons sous pied parce que nous croyons que, à l'aide de Téléthon, ça, nous sommes capables d'arriver à faire. Au moins travail que nous besoin faire à la paroisse là. Comme on visite li, ouais, j'en travaille ou à marcher. Nous travaillons pour nous arriver à point que ouais nous arriver à. Qu'on est là, n'a demandé et population, n'a demandé peuple bon Dieu là. N'a demandé petite la Vierge pour venir porter coller avec nous pour nous capable arriver réaliser Téléthon ça. Que nous avons commencé dimanche matin à 9h
et nous avons fini à 7 heures du soir. Mais nous invitons tout le monde, venez pour te coller avec nous, venez mettre les mains ensemble pour nous arriver à faire travailler ça. Vol Téléguiné, Gadil Jean-Lier. Chaque jour, tout va jouer à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi tapant. À souhait, 8 heures. Télégamme, Téléguiné Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguiné, sans commentaire, sans voix et montée, Gadil Jean-Lier.